Salut, c'est Kéléa et on est de retour sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, après avoir fini Assassin's Creed. Donc on va aller chasser Monsieur Pushkrim le coupe-gorge, histoire d'avoir plein de monde dans son équipe. Et quand je parle d'équipe, je parle de l'armée. Donc tous ceux-là, ils sont avec moi. Il me manque lui, et après on ira à côté de lui. Alors, oui, là-bas. Sors de ton trou, petite Non, chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Je ferai le saut de la vie dans la tête que je détruis. Allez, descends ton carador là. Ah merde. Donc il est où le mec? Il est là. Pushkrim. Allez. Bonjour monsieur. C'est à moi. Quand je t'aurai découpé, je distribuerai ta carcasse à mes guerriers. Te briser les os. Voilà. Désolé, je sors d'Assassin's Creed, donc c'est pas pour le temps de se remettre dans le. Ah, c'est quoi ça? Non, tu te barres pas! Et on recule. C'est le Seigneur de Lumière! Oh, ma vie est tienne! Allez, bas en retraite! Entendu! Là, on peut pas y aller, parce que je vais terminer des quêtes pour continuer. Donc, on a le choix entre violente nature et la vision du roi sorcier. Moi, enfin, j'allais faire violente nature. On va sauter.
Nous devons nous rendre dans la forêt de Karnan. Elle m'appelle. Il n'est pas toujours bon de répondre aux appels, Talion. Il est juste au milieu d'une bâton. C'est ce que nous allons trouver là-bas, n'est-ce pas? Pas plus que les autres. Alors, comment ça? Une étrange musique provenant de la forêt de Nurnen vous attire. Il est temps de répondre à son appel. Karnan n'est pas une créature, c'est la nature elle-même. Elle nous appelle. Talion, nous devons faire preuve de prudence. Je veux mourir. Pitié. Reviens ici. Finis ce que tu as commencé. Je vais te tuer. Ah, pas toi. Je t'en supplie, rôdeur. Ah, ne me laisse pas que... Elle nous élimine tous. Anna. Les bêtes des cuves viennent par centaines. Viens ici et montre-toi. En tous lieux, rivières et arbres sont enchaînés. Non. C'est la forêt de Karnan, et elle la protégera avec toute la puissance de la nature. On trouve dans cette forêt autant de morts que de vie. Les deux sont liés, c'est Karnan. Que font les orques ici? Ils font le travail de sang. Qu'est-ce qu'elle est? Les Caradors? Les Gulls? Elle est toute à la fois. Vous allez nourrir des milliers de bouches. Pourquoi ces monstres ne nous attaquent pas? Ils entendent sa chanson. Ils font partie de Karnan comme elle fait partie d'eux. Mais ils se défendront. Oui, bon, on va peut-être pas les attaquer, mais j'ai vu. Elle nous observe. Non, elle nous attire. Cette Karnan n'a pas chômé. Où es-tu? Libère-moi, Tark. On sortira d'ici et ensuite, on réglera nos différends. Ici. Ici, on est que de la bouffe! Je l'ai trouvé! C'est l'arbre! C'est elle, l'arbre! L'esprit de Karnan est l'arbre et la bête, les crocs et les griffes, les racines et la lance.
Cet être de chair est bien différent des autres. Sans pourriture, sans bourgeon. Grandis-tu? Flétris-tu? Non. Non, non. Tu sembles n'être qu'une bête sans vie. Mais non. Car tu meurs et reviens. Pas sans vie, mais sans mort. Un être dont la chair est hantée. Talion, nous ne pouvons pas la vaincre. Alors que me conseilles-tu de faire? De jeter ton arme et de t'incliner. Pas question. Pas devant cette chose. Nouveaux ennemis, les gros élémentaires. Les gros élémentaires peuvent effectuer de puissantes attaques élémentaires et sont immunisés contre les attaques de leurs propres éléments. Quand un gros rugit, tirez-lui dans la tête avec un tir chargé pour l'étourdir. Ah, mais en plus, il crache du feu. Notre sang coule. Ah, il est bien en plus, c'est ça le coup. Oh là, c'est comme une patate. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la nature. Dans toute sa furie. Peux-tu lui demander d'arrêter? On ne peut pas raisonner le vent. Mourir sale. Le tombeau de la nature englobe le ciel. Nous mourrons tous ensemble. Nourriront.
Ils ont passé juste les autres. Ah, c'est quoi ça? Ah non, mais on roule pas dedans! Des flèches, il me faut des flèches. Où est-ce qu'elle est? Vive. On dirait que Karnan n'est pas si puissante. Là, t'as parlé trop vite, mon gars. Déchaînée pour se lever encore, tu seras enterrée. Qu'est-ce qu'on a déchaîné? La clameur des forêts, la complainte des rivières. Grand esprit de Karnan. Cessez les cris et les plaintes. Vous avez réveillé Targoroth. Jusqu'alors prisonnier des entrailles de la terre, vous avez ouvert l'œil de Sauron. Il attise son feu et forge une cage qui alimentera les flammes destructrices à venir. Tout brûle, on brûle, le feu n'épargnera personne. Qu'est-ce qu'on a réveillé? La non-mort. Créateur, ta forge chante. La terre est fissurée. Le feu est réveillé par un anneau de métal froid. Mais nous sommes là. Accepte notre aide. Oui, c'est d'accord. Toi, bête immortelle, toi, être dont la chair est hantée. Nous trouverons Targoroth. Partez maintenant, le Balrog attend. Là, tapis dans l'ombre du destin. Mourir au combat et ressusciter pour combattre encore. Bientôt, oui, très bientôt. La mort vaincra la non-mort. On dirait que cet anneau n'a pas réveillé que Sauron. Oui, il faut aller à Gorgoroth pour s'occuper de ce Balrog.